Crachin Glavio! Peut-on se tuer en crachant? Comment un concours a-t-il tué la mère de famille? Cet homme a-t-il gardé son dernier slow pour la mort? Pourquoi ces trois personnes n'ont-elles pas survécu à la compétition? Pamela a absorbé plus de 8 bouteilles d'eau en moins d'une heure. Elle commence à montrer les premiers signes d'une intoxication par l'eau. Et la situation ne va pas tarder à empirer. La compétition devient acharnée. Ils ont augmenté la consommation. Jusqu'à en devenir mortels. Elle a décidé de participer à un concours de boissons organisé par la station de radio locale 107.9 The End. Le premier prix est une console de jeu dont tout le monde a envie. Mesdames et messieurs, à vos vessies. Une récompense qu'il va falloir durement gagner. Ils ont augmenté la consommation pendant le déroulement du concours parce qu'il restait trop de concurrents. Ils voulaient en éliminer. La quantité d'eau a doublé. Il faut maintenant boire 50 centilitres à chaque tour. Et ils n'ont toujours pas le droit d'aller aux toilettes. Malheureusement, on perd que l'eau dont on dépend pour vivre peut vraiment vous tuer. On a besoin d'eau, mais au-delà d'une certaine quantité, dans un intervalle de temps, l'organisme ne résiste pas. Et les effets peuvent être catastrophiques, comme dans cette affaire. Tout ce que Pamela voulait, c'était une console de jeux vidéo. À la place, elle a été victime d'une mort subite. Qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et que parfois, il ne fait pas bon être le dernier homme debout. L'étudiant, la femme au foyer et le danseur, tous trois voulaient gagner. Mais aucun d'entre eux n'imaginait que cela les mènerait non seulement à la défaite, mais surtout à une mort subite.